乡愁，是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外尽烟无尽，日久他乡近。Au bourg de Rochun, district de Tonchong, au pied d'une montagne et au bord d'un fleuve, se situe une école secondaire très célèbre dans l'ouest du Yunnan, l'école de Yitzhun. Établie en 1940, l'école de Yitzhun a été la meilleure école à Tonchong. Elle est très connue dans toute la province. Aujourd'hui, elle compte plus de 2000 élèves. Sun Maohong, âgé de 59 ans, est sorti de l'école il y a presque 40 ans. Maintenant, vers l'âge de la retraite, il revient souvent à l'école quand il a du temps libre. C'est un lieu où il a souvenir. En 1990, Sun Shusheng, grand-père de Sun Maohong, est allé faire ses études d'éducation et d'économie au Japon. Après l'incident de Mukden, il est rentré en Chine et a été enseignant dans plusieurs universités célèbres d'alors, dont l'université de Beijing. Le bourg de Rochun, situé à la frontière entre Chine et Birmanie, est devenu le pays natal de beaucoup de ressortissants chinois à l'étranger. En 1940, afin de promouvoir la culture et l'éducation dans leur pays natal, des ressortissants ainsi que des notables du bourg ont collecté un fonds de 200 000 kyats. Sun Shusheng a été invité à assumer le premier poste de directeur de l'école et il a ainsi commencé sa carrière d'éducateur rural.1940年办疫情中学的时候啊，也正是中国抗日战争打得非常激烈的时候。那么北方沦陷了以后呢，有大量的那个大学里边的教授啊、老师啊这些就流落到了南方。我祖父就委托吴晗先生从昆明、重庆就请来了一大批一些著名大学里边的教授、老师到我们这个小乡村里边来教初中。 Durant la guerre, Sun Shusheng s'est occupé activement de l'éducation dans son pays natal et est attaché de toute sa vie à cette école rurale. Il y a plus de 600 ans, sous le règne de Hongwu, des Ming, les soldats des provinces du Sichuan, Hunan, Jiangsu et Jiangxi ont reçu l'ordre de garder la frontière de Roshan. Leur installation a entraîné en même temps les valeurs traditionnelles de la plaine centrale, respect des professeurs et passion pour la littérature. Depuis plusieurs siècles, des idées éducatives très avancées ont été conçues dans ce bourg lointain. Il faut que le bourg soit en train de se faire.
小人见大通，天地仁者为辱，更多的是强调为人的。你要做大事，必须从小事开始。那么应该怎么追求做人呢？就上知天文，下知地理，还要知人和，要通天地人的人才能够当老师。Le couplet antithétique a été rédigé au début de la République de Chine, à l'époque où le concept d'une combinaison de la vertu, intelligence et sport s'était déjà imposé à Hechun. Sur la porte du vieux palais de Wenchang est accroché le même couplet. C'est l'ancien siège de l'école de Hitsun. 当年我们的先辈们呢，为了办文化和办教育呢，没有场地，那么就向神仙们来借，请到乡里边的那个善男信女来了以后呢，把这些神仙的偶像啊，抬到另外一个更大的寺庙那个中天寺里边去供奉起来，所以呢，文昌宫成了我们教育和文化的摇篮。Le palais de Wenchang se situe sur un terrain extraordinaire selon le feng shui. Les habitants de Hechun étaient convaincus qu'établir une école ici serait susceptible de leur garantir le rayonnement d'un ciel. 文昌宫里呢，这里有六块石碑，上面记录了和顺乡两朝科甲题名录，也就是说明清两朝和顺出了一位进士、八位举人，相当于秀才类别的还有500多位，说明这样的一个小小的乡村里边呢，非常重视文化和教育，每家。 La famille Tsun figure parmi les 5 plus grandes et plus anciennes familles à Hechun. C'est une famille littéraire depuis plusieurs générations. L'arrière-grand-père et le grand-père de Tsun Maohong ont tous fait leurs études à l'étranger. L'étang de lotus devant le palais a été creusé comme une piscine à l'initiative de Tsun Shushang lors de la création de l'école. Dans le but d'inciter les élèves à s'exercer. À cette époque-là, l'école a mis beaucoup d'accent sur un système d'éducation à la dure, ayant pour principe la modestie, la simplicité, l'assiduité et le travail laborieux. Les garçons étaient obligés de porter des vêtements de grosse toile, pantalons courts et sandales de paille, même en hiver. 当时他主张教育社会打成一片，教育生活打成一片，在学校里，在图书馆里，是知识的优秀的学习者。那么出了教室，出了图书馆的话呢，又是一个优秀的生产者，是一种新型的人才，也就是现在我们说的有用的人才。 À part l'idée de rupture de l'écart entre l'école et la société, toujours à la mode même aujourd'hui, l'école de Hechun d'il y a 70 ans tenait aussi à l'égalité. 苏 Benzhe, 79 ans, a fait ses études à l'école de Hechun. Selon lui, avant, les enfants des familles riches ont payé plus et les frais de scolarité ont été dispensés pour ceux des familles pauvres. Aujourd'hui, l'école de Hechun conserve encore beaucoup de traditions anciennes. Par exemple, les élèves participent régulièrement au travail bénévole. Les études sont réduites, même exonérées pour les familles pauvres. La qualité d'enseignement de l'école se place toujours au premier rang. Dans un ouvrage classique chinois, Classique des rites, l'auteur préconise que la priorité dans la création d'un pays et l'administration des affaires publiques doit être donnée à l'éducation. L'éducation et les livres sont indissociables. Le lieu où Su Benzhe regarde souvent des journaux est la fameuse bibliothèque de Hechun. Située de l'autre côté du mur par rapport au palais, elle est la plus grande bibliothèque de zone rurale en Chine. La bibliothèque de Hechun est devenue un site incontournable pour les visiteurs à Hechun. Ce couplet est un couplet de la couplet. Les livres sont en train de se faire. Il y a une
有书报二字，也就是这个图书馆的一个前身。1924年的时候就有一个叫夜书报社，而且这副对联呢还可以横着读，书报来自银海外边，就是说了这个当时这个图书馆的这个图书报刊的这些来源啊，都是当时在上海定制以后，通过水路运到缅甸仰光，然后再由马帮驮回来，所以他说了书报来自银海外边。Avant la création de l'association de lecture des livres et des journaux, Sun Fuqing, arrière-grand-père de Sun Maohong, avait fondé une association de Xianxin, toute nouveauté, avec des copains en 1905. Ils avaient acheté de nombreux nouveaux livres pour donner à ses compatriotes l'accès à la lecture. Voisins de la Birmanie, les habitants de Rochun se sont rendus compte que les connaissances et la culture sont de nature à modifier le destin de leur pays natal. Ainsi, les ressortissants et les habitants du bourg ont-ils fait don de beaucoup de livres à l'association. En 1928, la bibliothèque de Rochun a vu le jour. Dès lors, de grands intellectuels tels que Hu Shi, Xiong Qinglai, Liao Changzhe, Li Shicheng ont écrit leur dédicace à la bibliothèque. Quand on a créé la bibliothèque, on a été influencé par le mouvement de 5.4. Par exemple, Hu Shi, qui est le champion du mouvement de la culture, a été le premier à créer la bibliothèque de la bibliothèque de Rochun.而感到惊奇，他们就是要倡导读书、学文化，给人一种全新的面貌。Su Yingguang a travaillé à la bibliothèque de Rochun depuis plus de 20 ans. Il est fier du soutien constant des forces civiles par ses compatriotes et des ressortissants dans le fonctionnement et l'administration de la bibliothèque. De la germe à la naissance, jusqu'à l'inscription du système national des bibliothèques publiques en 1988.La bibliothèque de Rochun compte plus de 80 000 livres, dont des livres anciens et précieux. La culture arrose la terre d'un pays, alors que l'éducation bénéficie à la prospérité. On compare le palais de Wenchang et la bibliothèque de Rochun aux deux yeux des hommes de Rochun, leur permettant de voir le monde extérieur. La vision des ancêtres a profité aux générations postérieures.Et à l'heure actuelle, des compatriotes enthousiastes s'engagent de leur côté dans la promotion de la culture et l'éducation de leur pays natal. Xuan Benzhen a 76 ans. Il a pris l'initiative de la création d'une branche de la bibliothèque au temple des ancêtres de la famille Xuan. Monsieur Chuan était le vice-chef du district de Trangchong pendant longtemps. Né dans une famille à la campagne, il était diplômé du collège agronomique du sud-ouest de la Chine au début des années 60. À cette époque, rares sont les étudiants qui ont réussi à sortir de la campagne. Grâce à sa curiosité pour les connaissances, M. Chuan est devenu petit à petit un expert en agronomie. Après sa retraite, Chuan Benzhen a remarqué que les habitants du village de Dajuang devaient faire un détour de 2 à 3 km pour aller à la bibliothèque de Rochun.Il a ainsi décidé de créer une branche de la bibliothèque au village. À travers de grands efforts pour la sensibilisation, il a surmonté les difficultés du lieu. En avril 2008, la branche de la bibliothèque de Rochun à Dajuang a été inaugurée. Elle comprend plus de 11 000 livres dans des domaines différents. Sciences agricoles, littérature, art, manuels scolaires, etc.L'année dernière, la bibliothèque a enregistré plus de 7400 visiteurs et le nombre d'emprunts s'élevait à 3000.
Trumbunjeon se préoccupe le plus des enfants du village. C'est son intention première de créer la bibliothèque. Les autres membres de sa famille habitent au district, mais ils rentrent tous les jours dormir à la maison du village. De cette façon, il peut voir un peu les enfants de l'école. Aux yeux de M. Chuan, les enfants du village sont comme ses petits-enfants. Il a dépensé quelques 1 000 yuan pendant 2 années consécutives pour publier un recueil des rédactions des élèves en fin de CM2. La reconnaissance, l'assiduité et la frugalité sont nourries par le travail laborieux. Selon Trumbunjeon, l'éducation est non seulement en classe, mais également dans la vie quotidienne. En concordance avec l'école, il a acheté des pincettes pour les distribuer aux élèves. Ses enfants ramassent des ordures tous les jours sur la route de rentrée à leur maison. C'est pareil pour le jour suivant quand ils vont à l'école. Ils portent ensemble alors ces ordures aux poubelles avant le commencement des cours. Le matin, la beauté pastorale ressort pleinement du bourg de Rochoun. De petites ruelles s'entrecroisent. À l'issue de chaque ruelle s'érige une porte d'un style combiné de l'Orient et de l'Occident, qui raconte l'histoire des hommes de Rochoun explorant le monde extérieur. Depuis longtemps, Rochoun est étroit à sa superficie, ce qui a poussé des gens à chercher des débouchés ailleurs. Il y a plus de 400 ans, les habitants de Rochoun se sont mis à aller à l'étranger et à tenter la fortune en Birmanie, en Inde, aux États-Unis et au Canada. Le nombre des habitants locaux de Rochoun s'élève à 6 000, contre plus de 12 000 ressortissants à l'étranger. La famille Lee compte parmi les 5 plus grandes familles de Rochoun. Lee Krunba, âgé de 80 ans, habite seul dans l'ancienne maison familiale. Les autres membres de la famille sont à l'étranger ou en ville, mais elle ne veut pas quitter sa maison. L'ancienne maison de la famille Lee a été construite au bord de la ruelle tortueuse, d'où le surnom de Maison Tordue. Le grand-père de Madame Lee ainsi a créé la multinationale Yongmaohe avec ses 2 frères. Il faisait des affaires dans le jade, des pierres précieuses, les grands magasins et le change, et possédait 8 filiales rien qu'en Birmanie pour devenir les commerçants ressortissants de premier rang. En tant que fille de la famille, Madame Lee était privée de l'occasion d'entrer dans les affaires. Cependant, elle était très impressionnée par le mode d'éducation de son grand-père, Lee Chao-Ting, après sa retraite envers ses petits-enfants. Durant les longues années de commerce à l'étranger, les hommes de Rochoun ont accumulé beaucoup de richesses. Rentrés au pays natal couvert de gloire, ils ont construit des maisons et des temples, mais se sont parallèlement préoccupés du destin de l'État et du développeur bourg pour constituer un nouveau groupe de commerçants confucianistes. Rochoun人的教育的话呢，不仅仅是在书本上，更重要的是言传身教，特别是精神方面的这种传承。
当年走出去的人呢，我觉得有这么的几条，就是一是能吃苦，二是能受气，三是会动脑筋，四的话呢还讲究信义。凭着这几条的话呢，就无论在哪一个领域里边呢，都做出了非常优异的这种成绩。À Rochoun sont apparus de nombreux commerçants qui ont réussi dans leur domaine qu'on appelle roi du coton, roi du jade, du pétrole, de la mine. Ils ont créé et bien géré leurs entreprises, de sorte que Rochoun est devenu un des lieux de naissance de l'industrie du commerce au Yunnan. Zhang Baoting, arrière-grand-père de Tsun Maohong, était le roi du jade, au grand renom. Malgré ses affaires de grande envergure, il n'avait pas construit une maison luxueuse au pays natal. 乡里边的一位老者跟我说过，我们的外曾祖父张宝廷亲口对他说过，人发家以后啊，不要把房子啊修得太好，如果房子太好了，他的子孙们呢就不愿意的话呢再出门，也就是不愿意再去走一方，就会贪图在家里边享受了。Afin que ceux qui sont partis à l'étranger puissent s'y installer, les hommes de Rochoun ont mis en place leur propre méthode d'éducation.Qui se traduit parfaitement dans le livre Miracle de la fin des Qing à Rochoun. Ce livre, c'est notre ancêtre qui, dans de longues années, a été compilé par un grand ancêtre. C'est un livre qui a été écrit par notre ancêtre de la famille Qun. C'est un livre qui a été écrit par notre ancêtre de la famille Qun. C'est un livre qui a été écrit par notre ancêtre de la famille Qun.Le livre, aussi appelé « Livre précieux pour les ressortissants », attribue son intitulé « Yangwendun » à l'ancien nom du bourg de Rochoun. Dans la version contemporaine réimprimée, nous pouvons lire les phrases suivantes. Il y a plus d'un acte mauvais. On en compte 8 ou 9. Le premier, aller à la maison close. Si quelqu'un s'y rend et attrape une maladie, tous les proches l'expulseront de la famille. Ce petit livre...s'est répercuté sur plusieurs générations à Rochoun. Pour un jeune homme qui s'apprête à explorer le monde, les mots du livre constituent la première leçon donnée par ses compatriotes et ses ancêtres.就是千叮咛万嘱咐啊，到了那个缅甸以后的话呢，要如何的勤快，然后要见，比如说是见去那个花街柳巷，见去做那种什么大乘小斗啊等等，也就是说要诚信。Une idée s'enracine dans l'esprit de tous les habitants de Rochoun. La richesse sur 3 générations.Mais la culture est facile à transmettre pour des siècles. Sortir faire des affaires ne doit pas empêcher les enfants d'apprendre. Tsun Maohong est allé vivre en Birmanie avec sa famille quand il avait 4 ans et demi et est revenu à Rochoun pour aller à l'école élémentaire.C'est le lieu où Tsun Maohong vivait avec sa grand-mère. Avant de finir ses études à l'école élémentaire, il a été obligé de quitter l'école à cause de la révolution culturelle.Par contre, sous l'impact de l'atmosphère culturelle de son pays natal et l'éducation de sa famille, il n'a jamais abandonné d'étudier. Il lisait même des livres furtivement tout en élevant les bœufs. Après, il a achevé ses études au collège et au lycée, s'est instruit des cours universitaires de calligraphie et de dessin et s'est remarquablement exercé dans son écriture. Maintenant, âgé de presque 60 ans, Tsun Maohong a enseigné à l'école de Hitsun pendant 5 ans,et assumé le poste de directeur de la bibliothèque de Rochoun pendant 8 ans. Aujourd'hui, il est le directeur de la salle commémorative Dai Seti. Ce dernier est le pseudonyme de Li Shangxuan, philosophe né à Rochoun. Son œuvre, Philosophie pour tous, a guidé plusieurs générations de jeunes à la révolution. Tsun Maohong est bien impressionné par une lettre de la famille écrite par Dai Seti en 1938.1938年的时候，我们和顺图书馆举行了10周年纪念活动，然后他的大哥李森庄是当时我们和顺图书馆的第3任馆长，那么他就给在延安的艾斯奇啊写了一封信，
要求艾思奇那个家乡的图书馆的10周年纪念刊上写一篇纪念的文章。艾思奇在回来的这封信里边就给他的大哥这样说：我离乡太早啊，那么站在宗法的立场上讲，我算是一个最不孝的子孙，家乡白养了我，我对不起家乡。但是在时代的洪流里，我尽力去做一些更为大样的事，用它来弥补不能够对家乡所贡献的过犹。所以我觉得艾思奇啊，对家乡的这种牵挂啊，可以说也是一种所有的游子的一种乡愁。94, Thun Mao Hong est reparti pour la Birmanie et est revenu à Hoshun 5 ans après pour s'engager dans la promotion de la culture de son pays natal. Aujourd'hui, beaucoup de membres de sa famille mènent leur vie à l'étranger, y compris sa mère de 86 ans, à qui il pense particulièrement. Au retour à Hoshun, il est en train de réaliser la construction d'un hôtel près de sa maison. Au travers des documents et des objets historiques qu'il a recueillis, il a l'intention de montrer l'histoire de sa famille sur plusieurs générations, de permettre aux habitants de Hoshun de connaître cette histoire et aussi de comprendre la véritable culture de Hoshun. Yeah.